Hey dames en heren. De stad Brussel is geïnteresseerd om een aantal panden van de overleden Denis de Bouverie over te kopen. Dat schrijft de krant La Dernière Heure vandaag. De Bouverie is de zogeheten koning van de Beenhouwerstraat die vorig jaar werd vermoord. De man bezat 1/3 van de panden van de toeristische wijk Ilo-Sacré. Anouk van Herf. Deze panden en de Predikerenstraat die toebehoorden aan de overleden Denis de Bouverie staan te verkommeren in de drukke restaurantbuurt Ilo-Sacré. De zogeheten koning van de Beenhouwerstraat bezat 1/3 van de panden in de wijk. De Bouverie werd vorig jaar vermoord teruggevonden. Nu willen zijn erfgenamen, dat zijn zijn zus en haar kinderen, deze panden aan de Predikerenstraat verkopen. De stad Brussel is alvast geïnteresseerd. On a voté le principe d'investir sur surtout cette partie du patrimoine de Bouverie. Donc il s'agit du numéro 16 au 28 rue des Dominicains, l'achat de ces immeubles-ci et aussi le principe d'aller chercher les sous à Bel-Iris et à la région bruxelloise. In totaal rekent de stad op 2 miljoen euro van het gewest in Bel-Iris. Zelf zou ze 1 miljoen euro opleggen. Ook de vereniging van de nabijgelegen Sint-Hubertus-galerijen zou geïnteresseerd zijn om de panden over te nemen. De stad Brussel heeft al concrete plannen met de huizen. Je pense qu'il faut pas nécessairement chaque fois des restaurants l'un à côté de l'autre. Il faudrait peut-être d'autres types de commerce, de commerce de détail. Enfin, tout ça, ça va se discuter au sein du collège. Mais de toute façon, l'objectif, c'est vraiment de redynamiser ici le quartier et de ramener de l'habitat, enfin, des logements dans l'Ilo-Sacré. De besprekingen met de erven de Bouverie zijn al begonnen. Il y a déjà eu des rencontres avec la ville, hein. Donc il y a déjà eu des rencontres. Ils sont effectivement demandeurs de séparer d'une partie de leurs biens. Donc on le sait déjà. Bon, maintenant, c'est les négociations financières qui vont suivre. Donc nous sommes positionnés au niveau de la ville. On a passé ça au conseil et on a passé le principe. Donc maintenant, les négociations vont suivre. Pittig détail, Denis de Bouverie was niet gedomicilieerd in Brussel, maar in het Zuid-Spaanse Marbella. Daardoor loopt het gewest de successierechten op zijn gigantisch vermogen mis. Het gewest zou recht hebben gehad op 3%, tenminste als de Bouverie ook hier zijn domicilie had. Er is een pyromaan aan de slag in Brussel die snel...